Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue. J'ai terminé, je sais plus si je vous en avais parlé, entre deux, je fais entre mes toiles carrées, en strass carré, je fais mes toiles en diamant rond, comme ça, ça me permet de couper un petit peu. J'ai fini ma toile de chez Action, vous savez, le chat en multicouleur en 40, non, 30-40. 30-40, voilà, donc voilà ce que ça donne, hein. Donc elle avait 28 couleurs. Donc ça allait plutôt sympa, il y avait du AB blanc, du AB, il n'y avait que du AB blanc, hein, de mémoire. Un peu dans les teintes jaunes. Hein. Donc voilà ce que ça donne, donc elle est plutôt, elle est très belle, elle est géniale. Donc je suis plutôt fière du résultat, j'avouerai que je ne m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à manger beaucoup de confettis et au final non, j'ai pas mangé de confettis. J'ai juste rencontré un souci, il m'a manqué du 996 en sachet. J'avais dans mon stock le 996, donc j'étais obligée de prendre cette couleur là dans mon stock. Donc on va regarder les couleurs qu'il me reste. Donc hop. Donc déjà, il m'en reste un sachet. Donc, je vais pouvoir sortir ma petite image. Voilà, qui se présente comme ceci. Hein. C'était, vous voyez, moi, je marque 46. Donc, c'était ma toile d'Action 40. C'était la 46e toile de chez Action. Donc, voilà. Donc, j'ai tout marqué. Après, je marque 1, 2, 3 pour mettre dans le pilulier. Voilà. Donc, en couleur. Alors, je sais qu'il me reste des sachets, mais je ne sais plus les symboles. Le G, c'était le G, c'était le 14. Le J, c'est le 16. Donc 14, 16. Et celui-là, je l'ai agrafé à l'envers. Le K, 14, 16, 17. Ok, donc on va regarder les diamants que l'on avait. Donc le 996, forcément, j'en ai plus. Enfin, dans la boîte, j'en ai plus. Et de mémoire, il me semble que c'était le symbole L. Donc, la 18e couleur de mon pilulier. Enfin, il me reste ça, quoi, dedans. Donc, on va regarder les couleurs. Alors, moi, ceux-là, je ne vais pas les garder puisque je n'ai pas les DMC. Je vais juste garder les AB. Donc, voilà ce qui peut me rester. Voilà, je ne vais pas ouvrir. Là, je ne vais pas refaire la même catastrophe que dans une de mes vidéos précédentes. Donc, voilà. Donc là, voilà ce qui me reste. Bon, il reste quand même pas mal de diamants, hein, mis à part dans le 996. Hein, il me reste quand même pas mal de couleurs. Donc à moins que, je crois que j'avais vu une personne sur un groupe qui cherchait les DMC et puis elle les a publiées. Donc je vais regarder si j'ai pas l'image à tout hasard. Donc vous voyez là le gris, AB, le rose, le blanc, le jaune et le blanc. Donc ça je vais les garder. Donc 28 couleurs, voilà. Et après il me reste un peu dans les sachets comme ceci. Voilà. Donc il me reste quand même, bon, ça je vais pas... je vais voir si j'ai vraiment les DMC, je vais les garder. Sinon je vais garder que les AB et puis... voilà, donc il me reste à l'encoller. Donc je vous la remontre une dernière fois. Donc la 3040 de chez Action. Donc je ne pourrais pas vous redire la collection parce que vous savez que je prends les collections quand je peux les prendre, je les prends. Et après, bon, je prends celles qui me plaisent. Et après, je les mets dans mon stock et elles sont faites quand elles sont faites. C'est pas parce que c'est la nouvelle collection que je fais la nouvelle collection aussitôt. Non, non, je les mets dans mon stock et je fais les toiles telles qu'elles me... que j'ai envie de les faire. Voilà. Donc moi je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications si le cœur vous en dit. Comme ça vous pourrez suivre toutes mes vidéos. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !